Bon, prochaine destination, le Pérou, cher Haïti. On est parti. On est parti. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une vidéo spéciale room tour de ma collection. Et oui, ça fait déjà plus d'un an que j'ai fait une vidéo sur ma collection. Comme chaque année, il y a toujours une évolution dans ma collecte. Et on va dire que l'année 2020 et 2021 a été une très grosse année pour ma collection parce que j'ai acquéri pas mal de pièces, notamment des grosses pièces pour certaines. Hein. J'en ai ici, là-bas, là-bas, là. Donc voilà. Une petite mise à jour s'impose. Cette vidéo sera consacrée uniquement sur des figurines et statues de type Sideshow Hot Toys dans ce genre de gamme là. Tout ce qui est petites figurines ou figurines on va dire à moins de 100 €, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore parce que ma collection est très vaste et il y a pas mal de pièces. Et je ne peux pas tout vous montrer dans une vidéo, sinon elle pourrait durer au moins peut-être 4 heures, voilà. Donc là, on va juste se concentrer sur mes Hot Toys, enfin mes pièces principales de ma collection. Pour la première partie, on va commencer avec les films des années 80. Donc voilà, les grands classiques du cinéma, Retour vers le futur, E.T., les Gremlins, et j'en passe. Voilà les amis, on est donc parti pour le visuel de ma collection.
I'm vengeance. Je vous présente également E.T. hein, de ma collection, en life-size, bon, qui veut dire Tyrell. C'est la version NECA, donc, qui a été rééditée plusieurs fois d'ailleurs. D'ailleurs, elle est encore disponible à nouveau. Et donc, ce E.T., c'est la première génération, donc la première sortie que NECA nous avait fait en 2012-2013, un truc comme ça. Une pièce auquel je tiens énormément, tout simplement parce qu'elle a été offerte par ma grand-mère pour mon Noël. Pour mon anniversaire. Et donc voilà, c'est une pièce que je suis auquel je suis très 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 attaché. Voilà, ça c'est une pièce auquel je crèverai avec. Quoique elle va peut-être mourir avant moi, parce que en général, le latex, enfin ce genre de produit, c'est un genre de caoutchouc latex, ne dure pas très longtemps dans le temps, malheureusement. Et donc là, il est vêti en péruvien. Hein, voilà, je trouvais ça, le concept, assez marrant. Hein, avec le petit bonnet péruvien, pourquoi pas. Voilà, il a passé de tout, hein, de geek gamer à fan de Batman, pour finir avec un bonnet péruvien. À voir dans l'avenir avec quoi je vais le déguiser cette fois-ci. Peut-être en Jedi, on verra. Donc voilà, c'est un E.T. Que j'aime énormément. La réalisation est plutôt top. Après, je vous avoue que j'ai déjà pensé à peut-être le faire customiser, mais finalement, je pense que je vais le garder comme ça. Et pourquoi pas m'en acheter un autre pour le faire, cette fois-ci, customiser. Faut que je voie ça avec des professionnels dans ce genre de choses. Alors, comme vous aurez pu se constater dans cette première partie, vous aurez pu voir des pièces plutôt relativement rares, notamment la Mars Attacks de chez Hot Toys, ou encore le Jack Skellington de chez Medicom. Alors, le Jack Skellington est juste énorme, hein. C'est une pièce que j'aime énormément. C'est la réplique exacte des figurines qui ont été utilisées pour le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, la figurine de Jack Skellington, donc je vous la montre. Elle n'a pas eu de vidéo sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire et je vous la ferai découvrir. Toutes les articulations sont en métal. C'est comme le vrai Jack Skellington. Hein, voilà. C'est vraiment la réplique ultime de ce personnage. Et en plus, je l'ai eu à un très bon prix. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà, dites-moi en commentaire si vous souhaitez avoir une vidéo sur cette pièce en question. Vous avez pu voir aussi également dans ma collection qui est rentrée récemment le Marty McFly version épisode 1.
que j'ai acheté sur le groupe Facebook Hot Toys Sideshow Collectible. Donc je vous remercie d'ailleurs le vendeur de me l'avoir vendu. Vous aurez la review, je pense, très prochainement de cette figurine. Voilà, je suis extra content de l'avoir. Maintenant, je recherche la DeLorean, mais à un prix plutôt correct. Je ne me vois pas mettre 2000 euros sur du plastoc. Entendu, vous avez toujours mon fidèle buste de Batman que j'aime énormément. Ça aussi, je crèverai avec. Voilà, donc c'est du Sideshow. Tout ici, c'est tout du Sideshow, sauf le petit Joker et la petite katana que vous avez juste ici. Sinon, là... Allez, cette fois-ci, on part du côté de la Guerre des Étoiles, plus connue sous le nom de Star Wars. Thank you.
C'est une pièce que malheureusement je néglige assez dans ma collection. Je vous ai jamais fait la vidéo, mais je pense que je vais la faire. C'est un Tuscan taille réelle unique qui a été fait par un membre de l'association Les Héritiers de la Force, donc ceux qui créent chaque année un événement à QC, donc Génération Star Wars et Science-Fiction, qui a lieu à QC chaque année dans le mois de mai. Et vous pouvez même rencontrer des acteurs. Et du coup, ce membre de l'association a créé donc ce Tusken entièrement fait à la main. Et donc, c'est une pièce unique. Je vous en ferai un jour la vidéo parce que c'est une pièce qui vaut vraiment le détour. Et j'avoue que c'est une pièce que j'avais pas mal négligée sur ma chaîne parce que elle n'a pas beaucoup de visuels, même, voire même pas du tout. Il y en a qui ne savent même pas que je l'ai. Et pourtant, c'est une live 16 en plus. Bon, alors là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses, même beaucoup de choses. Là, c'est tout simplement toutes les figurines, enfin tous les coffrets collector et coffrets avec plusieurs figurines à l'intérieur, des packs ou des sets, scellés, donc voilà, et ils sont tous rangés ici. Donc vous avez du 1/6e et des petites figurines Hasbro, voilà, un peu de tout. Surtout en Star Wars, bien évidemment, mais un peu de tout comme gamme de figurines. Donc voilà, vous avez du Vintage Collection, vous avez des Legacy Collection, du Black Series, donc voilà, un peu de tout. Et voilà, il y a pas mal de choses quand même. Je les stocke ici parce que je n'ai pas de place malheureusement, et puis c'est pas des objets que je vais déballer. Voilà, ils sont stockés, j'aime les garder avec les emballages parce que je trouve que les emballages sont très jolis. Et quand j'aurai un peu plus de place, et j'essaierai de les exposer plus convenablement, on va dire. C'est pas gagné quand même. Ma collection Star Wars commence à prendre de la gueule en version Hot Toys. Vous pouvez le constater. Bon, il manque un peu de l'épisode 2. Malheureusement, Hot Toys ne nous ont pas proposé encore de l'épisode 2. Mais tout ce qui est en épisode 3, épisode 1, on est plutôt bien servi. J'espère qu'ils vont en faire d'autres. J'aimerais avoir, par exemple, des batteries droïdes. Pourquoi pas une Asajj Ventress en version Clone Wars, enfin voilà, un petit peu plus de Clone Wars. Mais c'est déjà bien qu'ils nous ont proposé, hein. Ils ont déjà proposé Anakin, Obi-Wan que j'attends d'ailleurs en précommande, Ahsoka, des clones, Trooper, en voici, en voilà. Et un Dark Maul aussi, un Dark Maul qui est juste magnifique. Ben voilà, il y a pas mal de choses encore en précommande qui arriveront dans ma collection dans le futur. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le room tour de ma collection. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec vous. Il y a pas mal de pièces qui ont disparu de ma collection, on va dire. Hein, que voilà, pas mal de pièces que j'ai vendues, depuis. Hein, voilà, en un an, j'ai vendu pas mal de pièces. Et j'ai notamment reconcentré ma collection sur le thème plus sur Star Wars et sur les films cultes des années 80. Afin d'éviter que je m'éparpille un peu partout. Comme vous l'aurez constaté, ma collection sur DC Comics a beaucoup, beaucoup été réduite, tout simplement parce que tout ce qui était du DC Universe, donc je veux parler par là, par les films de Zack Snyder, me disait plus rien à collectionner. Même si la Snyder Cut, bien sûr, m'a beaucoup plu, ça me dit plus rien. Je préfère me concentrer seulement sur un Batman, et le Batman, pour moi, favori, c'est celui de Nolan, donc la trilogie The Dark Knight, Chevalier Noir. Donc voilà, ma collection sur DC, du coup, sera beaucoup plus réduite, et ça sera surtout sur du Batman version Nolan, et Joker version Nolan, et Joker de Joaquin Phoenix, parce que voilà, j'ai beaucoup apprécié ce film-là. Mais en tout cas, tout ce qui est univers, cinématographique DC, je ne vais pas les faire. Je ne referai pas de Wonder Woman, je ne ferai pas de Flash, Aquaman, non, je ne vais pas m'éparpiller trop. Je vais rester seulement sur du Batman. Et du Superman, un petit peu. Hein. J'attends, par exemple, la statue Sideshow Premium Format, de Superman en version Christopher Reeve, voilà, parce que notamment c'est Superman, mais c'est aussi un grand classique du cinéma des années 70-80, donc voilà, ça rentre pile poil dans ma collection. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo est dédiée à ma chérie Laetitia, qui aujourd'hui a commencé depuis maintenant un petit moment sa formation de Padawan pour devenir une vraie geekette, j'ai envie de vous dire. Et donc cette vidéo est dédiée à elle. Et bien sûr cette vidéo est dédiée à vous, mes chers abonnés. Merci encore de me faire confiance, de regarder mes vidéos. Je suis vraiment très content
On est à maintenant 1200 abonnés à peu près. Et franchement, c'est top de chez top. C'est vraiment un petit rêve qui se réalise. Hein, voilà. Partager sa collection, partager sa passion avec d'autres passionnés, c'est vraiment la chose qui me plaît le plus. Je remercie également les groupes Facebook qui autorisent toujours mes publications. Donc ce sont vraiment des personnes en or. Hein. Je remercie énormément le bazar des figurines et Hot Toys Sideshow Collective d'accepter toujours mes publications. Et également des amis youtubeurs que j'apprécie énormément, notamment Mickaël de Mon Monde de Geek, Romain de Dark Magic Carp avec son Wakatatepe, j'arriverai jamais à le dire. Comme toi en tout cas. Également Samuel de la chaîne Virtual Devil, le king de la figurine. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur leur chaîne. Ils vous proposent du contenu vraiment très varié et toujours en rapport avec la pop culture. Donc c'est un bon complément par rapport à ma chaîne, mais aussi par rapport à la mienne. Voilà les amis, je remercie tout le monde. En bref, voilà. l'aventure continue, il y aura beaucoup d'autres vidéos, même si ça faisait un petit moment que je n'en ai pas fait. Voilà, il y a à peu près presque un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que je suis en pleine mise à jour sur la chaîne pour vous proposer d'autres concepts. Il y a du très lourd qui va arriver, notamment SH23 en Sideshow Premium, en Sideshow Mythos, pardon, qui devrait arriver très prochainement en vidéo, et quelques Hot Toys par-ci par-là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à balancer un très gros pouce bleu vers le haut, à partager aussi cette vidéo pour me faire connaître un petit peu plus, hein, voilà, à me faire connaître un peu plus chez d'autres collectionneurs afin qu'on discute tous ensemble. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, vous serez au courant de toute l'actualité comme ça. Voilà les amis, je vous dis à très vite. Et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous. Allez, salut !